Monsieur le Président, qu'il me soit permis à présent de poser quelques questions de précision et de consolidation, puisqu'il y a des pièces qui ont été produites ici par la défense de Monsieur Camara. Je voudrais discuter de ces pièces avec vous. D'abord, il a été question de l'accord de Ouaga signé entre vous et M. Sékouba Konaté. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas normal que cet accord soit signé entre vous et celui-ci, dans la mesure où vous avez toujours dit que vous avez partagé le pouvoir avec lui comme un plat de riz? N'est-ce pas normal que l'accord de Ouaga soit signé entre vous deux? Oui, maître, comme je vous l'ai dit, cet accord, à ce que je cherche, c'était dans le cadre de consolider la paix. Donc, à cette époque, vu l'intérêt supérieur de la nation, j'étais tenu dans une obligation morale d'accepter l'accord qui s'est passé à Ouaga avec bien entendu les clauses. Donc je ne pouvais pas refuser comme je venais, je l'ai dit tantôt, mais cet accord n'a pas été respecté du moment où l'accord a été parfait. Lorsque le général Sékouba a regagné le pays, il n'a pas respecté l'accord. Pourquoi il n'a pas respecté l'accord? Et comme je l'ai dit tantôt que c'était un faux accord, du moment qu'à l'époque, le président Blaise, qui était le médiateur, et toutes les autorités compétentes, il était dit dans cet accord que j'étais le président du CNDD et qu'il assumait l'intérim, si vous voyez bien cet accord. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voudrait dire qu'une fois que le général Sékouba regagnait le pays, étant l'intérimaire, il devrait collaborer avec moi. Et c'est ce qui fut d'ailleurs la trahison. Et quand il a regagné le pays, jusqu'à ce qu'il a terminé la transition, pas un seul jour, il a demandé mon avis en ma qualité de président du CNDD. Et vous conviendrez avec moi, un intérimaire et un titulaire, il faut qu'il y ait une concertation, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il a géré unilatéralement la transition et comme si rien n'était fait à Ouaga. Là n'est pas le problème. Pour moi, le problème le plus important, c'était la paix. Et
Donc, si monsieur Camara, oui. Voilà, et dès lors que vous recherchez la paix, dès lors que l'accord a été signé entre vous et celui qui était censé être le plus proche de vous, est-ce que peut-on considérer que la signature d'un tel accord serait la preuve d'un quelconque complot? Parce que l'accord, c'était pour la paix en Guinée. Ce n'était ni contre Paul, ni contre Pierre. Alors, est-ce qu'on peut considérer un tel accord comme étant la preuve d'un quelconque complot? C'est là, moi, mon problème. Par rapport à votre question, oui. C'est comme vous signez un accord, les clauses doivent être respectées, mais dès lors que les deux parties contractantes, la partie X et Y, dès lors qu'il n'y a plus de contact et que vous êtes carrément mis à l'écart, j'estime que c'était la suite du complot, mais de façon très, très rusée. Mais en toute sincérité, j'ai eu la volonté et je n'ai pas manifesté le manque de volonté. Alors, c'est ce qui m'a fait dire que c'était un faux accord, parce que ce qui a été dit à Ouaga, il ne l'a pas respecté. Et donc, puisque c'était pour l'intérêt de la nation, j'ai gardé la patience et je l'ai laissé gérer la situation. Voilà, maître. Ok, bon, enfin, nous n'avons pas la même lecture, vous comprenez, ces documents. Et on va continuer. Et vous avez suivi également vos avocats qui ont fait état des audios, des enregistrements audio. Vous avez le premier enregistrement audio qui est attribué à M. Sidi Atouré. Et le second enregistrement audio est attribué à M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Alors, et c'est vous qui les avez remis, ces audios? Ce sont des recherches. Ce sont des recherches personnelles des avocats. Oui. Ces audios-là, vous les avez depuis combien de temps? Parce que vous avez eu à dire ici, lorsque vous étiez en train de donner le récit de cette affaire, vous avez dit que vous avez des éléments que vous avez mis à la disposition de vos avocats, que vous verserez au dossier au moment venu. Alors, il s'agit de ces audios, non? Oui, maître, je crois que ce qui est important, oui, la provenance, ce qui est le plus important, c'est le contenu de l'audio qui s'avère extrêmement, oui, important. Monsieur Camara, tout, oui, est important, hein, tout est important. On parlera du contenu, mais et on est en train de parler pour le moment de la façon dont vous avez obtenu ces audios. Parce que quand vous prenez le premier audio, dans le premier audio qui laisse comprendre qu'il y avait une conversation téléphonique entre M. Sidi Atouré et un autre monsieur au bout du téléphone et qui serait un proche à vous. Et alors, c'était qui au bout du téléphone? Maître, je crois que ce qui est important, ce qui est là-dedans, c'est le contenu, c'est ce qui est le plus important. Je ne l'ai pas inventé.
Parce que devant un tribunal criminel... Il veut connaître qui était l'interlocuteur de M. Sidia dans l'audio. Voilà. Je ne sais pas. Et qui vous a remis l'audio, M. Camara? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Ça fait combien de temps vous gardez cet audio par devers vous? Dès que je suis arrivé, pendant que j'habitais à l'hôtel Kaloum. Ok. Et donc, les deux audios étaient en même temps conservés par vous? Vous dites? J'ai dit, vous aviez donc les deux audios par devers vous depuis votre arrivée à l'hôtel Kaloum? Oui, mais c'est ça parce que c'est important. Je les ai écoutés et je n'ai rien inventé. Et ce qui est important, est-ce ce que M. Camara a dit devant le tribunal? Une autre question. Ok. Et est-ce que vous comprenez en écoutant l'audio que M. Sidia Touré a été enregistré à son insu? Est-ce que vous le comprenez comme moi? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Est-ce que, en écoutant l'audio comme moi, vous comprenez que M. Sidia Touré est en train de dire et de ne pas citer son nom? Est-ce que vous n'avez pas vu que M. Sidia Touré ne voudrait pas que cet enregistrement audio parte loin? Vous n'avez pas compris ça? Oui, mais mettre ça n'a aucune importance. Si. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Mais ici, on n'a pas besoin de faire cadeau à qui que ce soit. Nous sommes devant un tribunal, nous sommes devant le peuple de Guinée. Nous sommes devant le peuple de Guinée. Chacun doit assumer ses responsabilités. Très bien. Monsieur Camara. Il n'y a pas de peur dans ça. Très bien. Ça, c'est bien compris. Saviez-vous, mon capitaine, que l'enregistrement d'une personne à son insu est une infraction à la loi pénale guinéenne? Vous le saviez? De toutes les façons, ce qui est important, c'est que le tribunal sache, que le peuple de Guinée sache que ce que j'ai dit, que je ne suis pas en train de mentir sur qui que ce soit. Saviez-vous, mon capitaine, que la conservation d'un tel enregistrement, selon en pleine connaissance de cause, comme vous l'avez fait, est également constitutif d'infraction à la loi? Si c'est par rapport à la vérité, une vérité que le peuple doit savoir, que le tribunal doit savoir, j'estime qu'il n'y a pas, de peur dans ça. Parce que lorsqu'on veut gérer une nation, lorsqu'on est responsable, il faut l'assumer. Ce sont des personnes qu'on a perdues au stade du 28 septembre. Et comment les choses se sont passées? Saviez-vous, mon capitaine, que le fait de porter volontairement ou de laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utiliser publiquement un tel contenu est constitutif d'atteinte à la vie privée au sens des dispositions des articles 358 et 359 de notre code pénal? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Je vais vous aider. À propos, le code pénal guinéen dispose clairement en ses articles 358 et 59 ce qui suit. De l'atteinte à la vie privée. Article 358 est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans
et d'une amende de 1 million à 3 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. 1. En écoutant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un milieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci. 2. En fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque l'image d'une personne se trouvant dans un milieu privé sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes prévus au présent article ont été accomplis au cours d'une réunion ouverte au public, au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci est présumé. Article 359 est puni des peines prévues à l'article précédent. Quiconque a sciemment conservé, comme vous l'avez fait, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, comme vous l'avez fait, ou utilisé publiquement ou non, comme vous l'avez fait, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide des faits prévus à cet article. En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication. L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçu en République de Guinée. Mon capitaine, comprenez-vous maintenant que vos agissements ayant consisté à produire les 10 enregistrements dans ces débats publics sont constitutifs de ces infractions pour lesquelles vous pourrez éventuellement être poursuivi? Oui, mais ça, c'est moi, ce qui est important. Ce qui est important, c'est de dire c'est que les hommes prennent le courage de ne pas fuir leurs responsabilités, qu'importe tout ce que vous êtes en train de dire, maître. Ce qui est important, c'est si ce que j'ai dit devant le tribunal et devant le peuple de Guinée était faux. Tout le reste, tous les commentaires que vous faites, on ne peut pas, moi, m'utiliser comme un objet. J'ai démontré devant le tribunal que le peuple cherche. On ne peut pas cacher une histoire lorsqu'on veut servir une nation. Il faut l'assumer. Ok, merci. Donc, maître, par rapport à ça, je n'ai plus d'autres réponses à vous donner. Merci, merci. Je poursuis. Vous avez lu avec moi ici la lecture à haute et intelligible voix des propos attribués dans cet enregistrement audio à M. Sidia Touré. Vous avez compris que M. Sidia Touré, il a eu à parler des éléments et il n'affirme pas lui-même, il se questionne. Il dit, mais pourquoi M. Alpha Condé n'était pas là? Pourquoi Sekouba n'était pas là? Et il vous a fait une suggestion, une proposition de piste d'enquête. Alors, pour vous demander de mener vos enquêtes, est-ce que avez-vous mené des enquêtes par rapport à ces propositions faites par M. Sidia Touré dans cet audio? Mais je dis que, maître, oui. Si vous voulez, vous n'arrivez pas à me comprendre. Pendant plus de 10 ans, les gens ne veulent pas dire la vérité. Vous pensez que moi je vais rester là? Les gens sont au courant avec des preuves. Je n'ai fait que faire ce que je dois faire devant le tribunal et devant le peuple de Guinée.
Qu'importe. Est-ce que dans, voilà. dans le sens de cet audio, vous avez mené des enquêtes? C'est ça sa question. Voilà. Monsieur le Président, pour répondre à Maître, est-ce que je suis un procureur? Est-ce que je suis habilité à faire des enquêtes? Je suis très désolé, Monsieur le Président, par rapport à cette question. Monsieur Camara, vous conviendrez avec moi que lorsque Monsieur Sidia vous dit, il vous propose des pistes, des réflexions, et il vous propose de mener vos enquêtes. Alors, est-ce que, en agissant ainsi, Monsieur Sidia est dans la certitude, parce que la certitude vous tient à cœur? À chaque fois que vous parlez, vous dites le droit pénal, c'est la certitude. Alors, est-ce qu'il est normal que vous vous fondiez la théorie, la preuve de votre complot sur des éléments qui ne sont pas fondés sur une certitude? Parce que M. Sidi a dit, vérifiez. Lorsque quelqu'un vous dit, je vous donne telle piste, vérifiez, est-ce que vous pouvez vous fier à ça comme preuve? Je peux me fier à ça, mettre comme preuve. Parce que ce qui est dans l'audio prouve à suffisance par rapport à la réunion tenue. Ensuite, deuxième élément, le départ du général Sekouba à Massanta, qui n'était pas justifié. Et quand on écoute très bien, c'était dans le but que quand il y aurait insurrection, que ce monsieur vienne, qu'on dise, ah oui, il n'était pas là pour s'en servir du pouvoir. Mais vous pensez que maître, moi je vais cautionner ça? Monsieur, vous pouvez l'analyser comme vous voulez. Et moi, j'ai dit que on est devant l'histoire. Bon, on va continuer. Et il se trouve que M. Sidia n'a fait que soulever des interrogations. Voilà, vous prévalez de ces interrogations comme preuve. Nous avançons. Vous voyez que même les commissions d'enquête que vous avez et vous-même, vous dites que c'est vous qui avez mis en place ces commissions d'enquête, même ces commissions d'enquête et n'ont pas abouti et à la conclusion que vous vous tirez maintenant selon laquelle il y aurait eu un complot. Comment vous comprenez ça? Oui, merci. La commission d'enquête prouve à suffisance. Si la commission d'enquête n'a pas abouti, est-ce la faute à M. Camara? J'ai manifesté ma volonté. Si cette volonté, dans le cadre de l'enquête, comme vous le dites, si ça n'a pas abouti, est-ce ma faute? Non. Ok. Est-ce que vous savez que M. Sidia Touré a été entendu par le pool des magistrats et instructeurs? Vous le savez? Oui, maître, c'est pour cette raison j'ai beaucoup de respect pour cet homme, pour beaucoup de raisons. Et si vous voulez aller dans ce contexte, du moment où il a été entendu, mais avoir peur de qui? On ne peut seulement qu'avoir peur de Dieu. D'autres questions? Ok, voilà. Et vous savez que devant le pool des magistrats instructeurs, M. Sidia
n'a nullement fait état de ces éléments qui se trouvent sur l'audio que vous avez fait déposer au débat ici. Vous le savez? Mais ça prouve à suffisance que la manifestation de la vérité n'est pas là. Nous sommes là pour la manifestation de la vérité. S'il ne l'a pas dit, c'est pas au moment. C'est pas au moment. N'est-ce pas? Ouais. S'il vous plaît, maître. Ok, finissez. Allez-y. Je dis bien, maître. Même lorsqu'on n'aime pas le chien, il faut reconnaître que le chien a des dents qui sont très blanches. Alors, comme pour dire, ça peut faire mal à ceux qui peuvent le penser, mais ce qui est important pour moi, si au moment où, comme vous le dites, il a passé devant les juges d'instruction qui ne l'a pas dit, et au dernier moment, moi je ne peux pas donner des qualificatifs par rapport à ça. D'autres questions? Okay. Monsieur Camara, dès lors que Monsieur Sidia lui-même n'assume pas ses propos, il dit à son correspondant au bout du téléphone, ne citez pas mon nom. Ce qui veut dire qu'il s'agit là des déclarations non assumées. Dès lors qu'il n'en a pas non plus fait état devant les magistrats instructeurs, alors pensez-vous que on peut accorder un quelconque crédit à des déclarations? Bien sûr. Des déclarations non assumées? Bien sûr, on peut accorder. Peut-être vous ne pouvez pas accorder ce crédit. Mais moi, qui suis concerné, j'ai dit que, à des moments donnés de la vie d'une nation, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Une autre question. Ok, je continue. Je ne sais pas si vous avez aussi écouté et réécouté, et si vous avez suivi également, comme moi, la lecture à haute et intelligible voix des propos attribués à M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Alors, il est question de correction des 24 points relatifs aux anomalies et liées à l'élection présidentielle de 2010 qui ont été corrigées ici et dans l'intérêt de tous les candidats à l'élection présidentielle. Alors, et avec bien entendu la volonté du président par intérim d'alors, M. Sékouba Konaté. Et dans ces conditions, alors, puisque ça visait à corriger des anomalies, est-ce que on peut considérer cela comme étant la preuve d'un complot contre votre personne alors que vous n'étiez pas candidat à cette élection? Non, si on ne parle pas en ce moment de complot, c'est la suite de tout ce que j'ai eu à dire ici qui prouve à suffisance que l'objectif recherché par Sékouba, ce n'était autre que me trahir, se saisir du pouvoir, gérer la transition, faire de cette transition, donner le pouvoir à qui il voulait. Si vous ne voulez pas comprendre ça, tant mieux. Moi, c'est dans l'objectif. Tout ça, c'est la suite. Étiez-vous candidat à cette élection pour si parler des complots résultant de la correction des anomalies qui affectaient le scrutin?
Pouvez-vous vous en prévaloir? Je voulais juste prouver. Je voulais juste prouver. La moralité. Ce n'est plus le complot, la moralité. Ensuite, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y. J'ai été clair. Si vous ne voulez pas, c'est votre façon de comprendre aussi. Une autre question. Voilà. Répondant à l'une des questions posées ici par votre défense, qui cherchait à démontrer que président de la République, certes vous étiez au sommet de la hiérarchie militaire, que mais vous ne pouvez pas être informé de tout ce qui s'est passé. Vous l'avez dit ici, vous le maintenez? Oui, maître, je maintiens et je réitère que être président ne signifie pas que vous pouvez tout savoir. Je maintiens, maître. Ok. Alors, mais si vous n'en êtes pas informé, si vous n'avez pas une information relativement à une situation donnée, on peut comprendre. Mais dès lors que vous avez des informations, n'est-ce pas, vous devez prendre les dispositions qui sont les vôtres. Lesquelles informations, maître? Non, répondez d'abord à la question, après je vais... Oui, si vous avez l'information, on peut prendre des dispositions. Très bien. Mais si vous n'avez pas l'information... Alors, je veux dire que dans cette affaire, la hiérarchie militaire vous a fourni toutes les informations. Toutes les informations. Le ministre de la Sécurité est passé vous rencontrer par deux fois. Le ministre de la Sécurité vous a parlé de la présence des camions militaires où des corps ont été décomptés en présence d'autres militaires devant la résidence du feu général Lansana Conté. Vous avez reçu cette information. Le ministre de la Sécurité a fait autant. Vous avez M. Sano, qui était le chef d'état-major. Celui-ci aussi a eu à vous fournir les mêmes informations. Il dit qu'il se faisait même accompagner par le directeur. Alors, quel usage avez-vous fait de ces informations relativement à la gestion des corps, mon capitaine? Je n'ai pas reçu ces informations. Et pour vous dire en toute sincérité, vous savez, je l'ai dit ici que une personne déjà qui n'est plus dans ce monde si bas, ce serait un peu difficile de parler. Et j'ai dit, si effectivement, par rapport à toutes à ces contestures, je le jure, connaissant les hommes avec lesquels l'avènement du pouvoir est venu, ou d'autres n'étaient pas, d'autres étaient frustrés. Je sais, les gens auraient même eu l'occasion de prendre ces véhicules envoyés au camp Alpha Yaya pour me mettre devant les faits accomplis. Vous pouvez comprendre ça, vous pouvez ne pas comprendre. Cette audace, je le sais. Mais si cela n'a pas été fait, si cela n'a pas été fait, maître, et j'ai pas eu ces informations comme vous le dites, ces personnes ne sont pas là, ou la personne n'est pas là aujourd'hui, j'aurais répondu la même chose. Même ceux qui sont vivants. Mon capitaine, s'il vous plaît, permettez-moi. S'il vous plaît, non, comme vous dites que c'est permis. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Non seulement il y a des informations provenant du feu général Toto, lesquelles informations se trouvent au dossier. Moi, je n'invente rien. Vous avez des informations
provenant également du ministre de la Santé publique versées au dossier, des informations provenant de votre chef d'état-major général versées au dossier, les mêmes des informations provenant du général Edouard Théa relativement à la présence de ces camions militaires versées au dossier. Vous avez des informations venant du capitaine Amadou Kondé, également versées au dossier, qui font état de façon concordante et indiscutable des mêmes informations et lesquelles vous ont été remontées par le chef d'état-major général. Il a dit, et quel usage vous en avez fait en termes de disposition en tant que commandant en chef des forces armées? C'est ce que je veux savoir. Maître, je suis en train de vous dire, ces informations que vous faites allusion, ce sont des informations que je ne dis pas, que ce que vous dites ou que les informations ne sont pas vraies. J'ai dit bien, ces informations, je ne les ai pas reçues. Le cas du ministre de la Santé que vous faites allusion, c'est clair. Le ministre de la Santé, le nombre de corps, les 57, il a dit devant le tribunal. Et les autres informations que vous faites allusion, personne n'est venu me voir pour dire, voilà, il y a des camions qui sont au camp Samori. Ce sont des informations. Ok, bon, ça c'est compris, on va avancer. Je voudrais savoir, puisque il relevait de vos attributions en tant que président de la République d'alors, dénommer les membres du gouvernement, mais aussi de prendre un décret pour fixer leurs attributions. Avez-vous pris un ou des décrets pour fixer les attributions de vos différents ministres, comme on l'a connu sous le règne actuel du CNRD? Vous l'avez fait? Je ne saurais répondre à cette question, maître. L'avez-vous fait, oui ou non? Parce que c'est extrêmement important. Vous savez, il y a toujours votre défense qui nous inspire. On a eu à parler des délégations de pouvoir. On a eu à soutenir que vous, en tant que président, et vous êtes délégant et que vos ministres sont des délégataires. Mais il faudrait que les conditions de la délégation soient claires et précises. Et ces conditions de la délégation ne peuvent résulter que des attributions clairement définies par vous. Avez-vous pris des décrets dans ce sens? C'est pourquoi je pose la question. Oh, merci. Ici, nous sommes dans un cadre très précis concernant les événements du 28 septembre. Deux ministres qui ont assumé leur rôle. Le ministre de la Santé, je n'avais pas besoin d'apprendre le rôle du ministre de la Santé, et le ministre de la Justice, garde des Sceaux à l'époque, qui a aussi pris des dispositions. On parlera du ministre de la Justice, mais pour le moment, moi, mon problème est au niveau de la définition des attributions de vos ministres. Est-ce que vous avez eu à prendre un acte ou des actes dans ce sens? C'est ce que je veux savoir. Je ne peux pas
vous faire des démonstrations par rapport aux attributions je ne saurais vous le dire, maître. Ok, merci. Alors, dans ces conditions, et savez-vous qu'en dehors d'un tel décret ou d'un acte ou des actes et définissant clairement les attributions des membres de votre gouvernement, qu'aucun ministre ne saurait répondre dans vos lieux et places hein, d'une quelconque délégation, parce qu'en droit, la délégation ne se présume pas, elle doit être prouvée. Maître, j'estime que c'est aussi élémentaire que ça quand on parle de délégation de pouvoir, ça veut dire quoi d'un chef d'État? Il y a plusieurs départements. Est-ce que le chef de l'État, dans la coordination de la gestion de l'État, est-ce qu'il peut faire, qu'il peut s'occuper du ministère de la Santé? Est-ce qu'il peut en même temps s'occuper du ministère de la Justice? Ainsi de suite. Parce que, on parle de délégation de pouvoir, le ministre lui-même, quelqu'un ne viendra pas dire que, bon, voilà, je suis ministre, j'occupe tel poste. Si l'intéressé occupe un poste, il sait ce à quoi il doit faire. Donc, c'est aussi élémentaire que ça, en matière de délégation de pouvoir. Ça veut dire que le chef de l'État qui est là ne peut pas faire toutes les fonctions de tous les départements ministériel. Ce n'est pas aussi élémentaire que vous le pensez. On a vu votre ministre de la Sécurité présidentielle qui a été incapable de nous dire quelles étaient ses attributions, qui parfois il s'érigeait en officier de police judiciaire parce que vous n'avez pas préalablement défini les attributions qui devraient être hein, et pour chacun des ministres. Donc on va continuer et je crois que cette question, on en a largement discuté. Alors, et vos avocats ici ont eu à mettre à votre actif la création des commissions d'enquête nationales et internationales. Êtes-vous d'accord avec eux? La commission d'enquête nationale et internationale? Oui. C'est vous qui êtes à l'initiative? C'était à mon initiative. Ok, d'accord. Et la commission d'enquête internationale? C'est moi qui ai sollicité de faire appel à la commission internationale et nationale. Voilà. Donc, vous assumez que vous êtes bien celui-là qui a fait appel à toutes ces commissions. Dans ces conditions, alors, ne trouvez-vous pas contraire la démarche de vos avocats qui articulent déjà des griefs contre le rapport de la commission d'enquête internationale? Oui, merci. J'ai été clair ici. J'ai dit des avocats que vous êtes, tous tant que vous êtes, vous êtes des professionnels et le professionnalisme signifie beaucoup de choses. Si un avocat, ça peut être mes avocats, ça peut être de la partie civile ou de la défense, s'ils arrivent à porter du doigt certains passages, par rapport à une quelconque commission nationale et internationale, il sait pourquoi il le fait et
Certes, il aura l'occasion de dire pourquoi il a fait, parce que c'est le professionnalisme. Je ne peux pas réfléchir ou penser à la pensée des avocats. Moi, je suis un accusé. J'ai affaire à des professionnels. Monsieur Camara. Oui, maître. Vos avocats ont également fait état d'une ordonnance portant création de la commission d'enquête nationale qui date du 30 octobre 2009. En même temps, ils ont fait état d'un décret signé, c'était à la même date, portant nomination des membres de cette commission. Oui, maître. Voilà. Et alors, vous reconnaissez bien que c'est bien le 30 octobre que vous aviez 2009 que vous avez signé ces actes. Oui, maître. Très bien. Saviez-vous que les membres de la commission d'enquête nationale n'ont prêté serment que le 2 novembre 2009? Bon, le serment, je ne le sais pas, mais ce que je sais, oui. J'ai créé la commission. Ok, voilà, pardon, c'était le 3, disons. C'est ce qui ressort de la lecture de la page 5 du rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante. Oui, maître. Page 5, les membres de la commission ont prêté serment le 3 novembre 2009. Oui, maître. Voilà. Maintenant, je vais vous poser une question, puisque au moment où le massacre du 28 septembre 2009 a été commis, la République de Guinée avait des textes de loi. La République de Guinée avait des services de police judiciaire compétents en matière d'enquête. Alors, pouvez-vous nous dire, entre le 28 septembre 2009 et le 3 novembre 2009, date à laquelle les membres de cette commission ont eu à prêter serment pour pouvoir ouvrir les enquêtes autour de ces dossiers, quelles étaient en ce moment les institutions judiciaires qui étaient en charge des enquêtes avant cette date? Oui, maître. Une commission, lorsqu'on émet une idée, lorsque j'ai émis cette idée pour la création de la commission, le ministre garde des Sceaux devrait procéder à la sélection des membres qui devraient composer cette commission, étant compétent. Alors, donc, moi, j'ai joué mon rôle maître. Mon capitaine, oui. Ne trouvez-vous pas qu'il s'était écoulé, pour ne pas, je ne dirais pas assez de temps, mais trop de temps, entre la commission des infractions et l'ouverture des enquêtes? Les crimes ont été perpétrés à la date du 28 septembre. Mais les membres de la commission n'ont prêté serment que le 3 novembre. Alors, durant tout ce temps, et pendant ce temps, vous avez restitué les corps. Pendant ce temps, aucune enquête n'a été menée, aucun rapport d'autopsie. Et pendant ce temps, c'est vous qui venez devant la presse pour dire que les cas de mort survenus, c'est par voie de bousculade, c'est par voie d'asphyxie. C'est vous qui expliquez ça. Alors, pourquoi avez-vous empêché que les enquêtes soient ouvertes dès les premières heures de ces crimes? Mais maître, je n'ai pas empêché. J'avais la justice et
J'ai pris la volonté. Pourquoi il n'a pas fonctionné? Il y avait la justice, pourquoi mais, il n'a pas fonctionné? Mais maître... Elle n'a pas fonctionné. Non, je pense que... Et pendant ce temps, toutes les preuves ont été dissimulées. Le stade a été nettoyé. Oui, maître, laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui, allez-y. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Ok. Moi, j'ai eu la volonté. J'ai donné des instructions au ministre. La création d'une commission nationale parallèlement à la commission internationale. Alors, je ne suis pas technicien. Je ne suis pas technicien. Je ne suis pas un procureur. Je ne suis pas un juge d'instruction. Si il y a eu du temps, est-ce ma faute? Non. Si. Mais vous n'êtes pas un technicien, vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas juge, mais c'est vous qu'on voit à la télé, animant un point de presse, en train de dire il y a eu des morts par tel. Quel service? Permettez-moi. Parce que les dispositions du code de procédure pénale, alors, et d'alors, et celles de maintenant, sont pratiquement les mêmes. Dès lors qu'il y a des cas de mort, les enquêtes doivent être immédiatement ouvertes. Mais voyez-vous que lorsque vous-même, vous êtes là, en train de faire le travail des enquêteurs, vous ne pensez pas que votre comportement était de nature à inquiéter les autorités judiciaires pour prendre en charge le dossier? Non, maître. Au contraire, si. C'est tout à fait le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Par rapport au cas, par exemple, des corps qui étaient déjà à la morgue, il était un devoir pour moi, en fonction du rapport, du compte-rendu que le ministre de la Santé a eu à me faire, je n'ai pas inventé. Je lui ai demandé. Et le cas des tirs à balles réelles ou des cas de bousculade ou ainsi de suite, je ne l'ai pas inventé. Moi, je me suis référé à son compte rendu. Monsieur Camara, je voudrais vous dire que même dans un quartier, dès qu'on découvre un cadavre, le citoyen lambda sait qu'on doit faire appel à la police pour des fins d'enquête. On n'a même pas besoin d'être juriste pour ça. À plus forte raison, être président de la République. Et vous avez eu à vous occuper de ces cas de mort avec des militaires en écartant complètement les autorités judiciaires. C'est après avoir procédé à la restitution des corps, après avoir nettoyé le stade, après avoir tenu votre point de presse au cours duquel vous pointez un doigt accusateur sur les leaders comme étant les responsables de ce qui est arrivé, que vous avez mis en place votre commission d'enquête. Est-ce que le peuple comprendra ça, mon capitaine? Oui, si vous dites le peuple, je pense que la loi, les juges comprendront ça, les procureurs comprendront ça. Moi, je n'avais pas affaire à un policier, comme vous le dites, dans le quartier. C'était un problème national. Et à ce que je cherche, les policiers ou gendarmes, c'est des auxiliaires de la justice. Alors, moi, j'avais affaire avec la haute hiérarchie judiciaire, d'où le ministre de la Justice lui donnait des instructions, prendre des dispositions pour les enquêtes.
Donc, capitaine, on va continuer. Alors, je retiens que tout simplement, la justice n'a pas fonctionné. Vous l'avez empêché de fonctionner pendant cette période. Alors, je vais continuer. Vous avez mis en place cette commission d'enquête. Mais, pourquoi vous ne lui avez pas facilité le travail? Pourquoi? Mais maître, il n'y a pas un seul citoyen. Et la liste que j'ai fait état devant le tribunal ou le président, j'ai demandé si je pouvais citer la liste des éléments. Vous ne trouverez aucun élément, aucun cas vous disant à l'époque j'ai fait une ingérence ou je les avais empêchés de ne pas faire leur travail, maître. Mon capitaine, je voudrais relever, et ce n'est pas moi, c'est le rapport de cette commission nationale d'enquête indépendante en sa page 7 où il est clairement mentionné que vous n'avez pas accepté d'être entendu par la commission. Et vous savez que lorsque, en tant que premier magistrat, vous participez, vous prenez l'initiative de la mise en place d'une telle commission, vous aurez dû être le premier à donner le bon exemple. Pourquoi vous n'avez pas accepté d'être entendu par cette commission? Pourquoi? Non, maître. Si j'ai accepté m'entretenir avec la commission, une commission internationale, qu'est-ce qui pouvait m'empêcher dans mon pays que de refuser que je puisse qu'on puisse me demander la preuve? Et quand je n'étais plus là, cette commission a bel et bien travaillé, et la suite, je l'ai suivie sur les masses médias. L'aboutissement et la fin de leurs travaux. Mon capitaine, et lorsque vous prenez la page 7 du rapport de cette commission nationale d'enquête indépendante, il y ressort clairement ceci. Au nombre des difficultés rencontrées par elle, l'impossibilité pour la commission nationale d'enquête indépendante d'auditionner le président et le lieutenant Bakar Sidiki Diakité Ditumba qui figurait pourtant dans le programme de la commission nationale d'enquête indépendante. Vous voyez, ce n'est pas une invention de ma part. Ensuite, mon capitaine, est-ce que vous saviez que votre attitude consistant à vous ériger déjà en avocat de ceux qui ont perpétré ces crimes odieux et en donnant même le bilan et en tirant à bas les réels sur tous ceux qui voudraient soutenir une thèse contraire, que cela a fini par amener tout le monde à ne plus avoir confiance en vous et encore moins à cette commission d'enquête nationale que vous avez mise en place, raison pour laquelle il y a eu des méfiances à l'égard de cette commission. Vous le savez, qu'il y a les citoyens se sont méfiés de cette commission à cause de votre attitude. Vous le savez? Ce que vous dites, maître, oui, c'est votre pensée. Je ne peux pas vous l'empêcher de ne pas dire ce que vous voulez dire. Savez que toutes les corporations, unanimement, ont refusé de siéger à cette commission? Vous le savez, c'est l'une des explications. Vous le savez? De toutes les façons. Le barreau y compris. S'il vous plaît, maître. Oui.
ce qui est le plus important. Oui, c'est ça. Si tous les éléments n'ont pas voulu siéger, ce n'est pas, ce n'était pas de ma faute. Ok, okay, je continue. Et deuxième explication aussi, que votre attitude ne rassurait personne. Au contraire, on se méfiait de cette commission. Alors, dans le même rapport et à la même page 7, il est dit clairement, malgré tous les efforts, aucune femme victime de viol ne s'est présentée devant la commission. Vous voyez que votre comportement n'était pas du tout de nature à faciliter le travail de cette commission. Je poursuis. Vous pouvez me laisser répondre. Oui, vous pouvez y aller, allez-y. Voilà, vous dites, vous-même vous le dites, est-ce c'est moi qui aurais obligé les femmes victimes ou violées d'insister de venir voir la commission du moment que je n'ai vu aucune femme ou aucun groupe de femmes me dire qu'elles ont été violées et voilà, on a des problèmes. Est-ce là ma faute? Non. Un président doit assurer par ses gestes et paroles. Je continue. Alors, et en raison de tout ce que qui prévalait à l'époque comme menace, est-ce que vous n'avez pas reçu des pressions qui ont réellement abouti contre votre volonté à la mise en place de la commission d'enquête internationale? Des personnes qui m'ont influencé. La question, reprenez-la. Oui, non, je demande. Et puisque lui, il ne rassurait plus, ni lui, ni sa commission d'enquête nationale, alors, il y a eu des pressions. Hein? Est-ce que ce ne sont pas ces raisons qui ont prévalu à la mise en place de la commission d'enquête internationale? Non, maître. Et non une volonté politique de votre part? Non, maître. Je vais... Pour encore, okay. Pour encore rafraîchir, maître, votre mémoire, vous savez que il faut avoir le courage, sinon dans beaucoup de pays, c'est quelques rares chefs d'État qui acceptent l'arrivée d'une commission internationale. Si cette commission internationale ou la communauté internationale n'a eu aucune pression, aucune influence pour pouvoir prendre cette décision. C'est moi qui ai pris la décision sans aucune pression à l'intérieur ni à l'extérieur, maître. Et laissez-moi vous en fournir la preuve contraire à travers un acte qui a été produit ici par votre défense et dont mon éminent confrère, maître Ahmad Diesba, avait fait état la semaine dernière. Et il ressort clairement des points contenus dans ces documents. Je parle plus précisément de la page 2 de ces documents. Et en son point 1.8, commission d'enquête internationale. Les deux parties souscrivent pleinement à la création par l'Organisation des Nations Unies d'une commission d'enquête internationale chargée de faire la lumière sur les éléments de septembre 2009 et s'engagent
à faciliter le traitement judiciaire des actes de violence et à entraîner des morts, des blessés et des destructions de biens. Elle s'engage à coopérer avec la commission d'enquête internationale. Donc, vous comprenez que, contrairement à ce que vous dites, c'est cela la réalité. On poursuit. Et à présent, je voudrais, mon éminent confrère va accepter de communiquer un article d'un journaliste investigateur et du nom de Abdoul. Vous donnez copie. Pardon. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais qu'il distribue ça. Alors, merci bien, cher confrère. Alors, et ce journaliste a eu à recevoir l'un des éléments du salon de votre aide de camp, Monsieur Aboubakar Diakité Ditoumba. Alors, il se trouve qu'il s'agit de l'adjudant-chef qui se nomme Nabi Issa Touré dit Bangolé. Vous le connaissez? Nabi Issa Touré dit Bangolé. Lui? Bangolé. Non, merci. Ok, voilà. Et il a accordé une interview au journaliste Abdoul Latif Diallo. Je voudrais que nous en parlions un peu, Monsieur le Président.